de cette façon. Le cœur d'un bourg ordinaire, frappé par l'exode. Où croupit une demeure moribonde et béante. Où pris d'un soupçon d'audace, puis d'une touche d'adrénaline, c'est parfois tout un autre monde, insoupçonné et fascinant, qui y guette la curiosité de l'esprit vagabond. Pour le happer hors des lois du temps et de l'espace. Partout, sous un épais linceul de vermine poussiéreuse, des artefacts banals, un quotidien modeste, lesquels, dans ce contexte désincarné précis, se révèlent néanmoins criants d'authenticité. Face à un tel spectacle obscur et figé, la récurrence d'une question implacable, qui, au-delà de toute considération bassement matérielle, se résume surtout à savoir comment. Comment une vie par essence unique et sacrée a-t-elle bien pu se vaporiser de la sorte, dans l'indifférence la plus totale. Dans l'indifférence la plus totale. Confronté à la dilution des valeurs et à l'ère du tout consommable, les scientifiques, retranchés dans leur tour d'ivoire, brillent par leur silence. Si la science toute puissante a pour vertu de dissiper les ténèbres, chacune de ces avancées fracassantes ne génère pas moins son lot d'ignorance. Ignorance. Pour conjurer ce mal qui noircit les cœurs, les icônes de l'ancien monde elles-mêmes ne sont plus d'aucun secours ou réconfort, et leurs temples sont désormais vides de toute ferveur. Vide.
redéfinit les papiers peints. Le bois des meubles bourgeonne à nouveau. Les moquettes se mutent en lichens poisseux. Les linges pourrissent tels de la charogne. Notre règne ici-bas est fragile et ne peut s'affranchir de ce qui l'entoure. Il n'est pas un seul élément qui, au gré du cycle des saisons, ne puisse nous ramener à cette funeste réalité. Loin, au-delà des garde-fous froids et aseptisés, définis par les huiles de l'urbanisme moderne, c'est à une véritable leçon d'humilité que dame nature, perpétuelle, invite l'âme libre et errante. Libre et errante.
résignation et de mercantilisme frivole, le pessimisme gangrénant notre société est tel qu'il condamne au méandre de l'oubli jusqu'à nos plus symboliques progrès. Ceux-là même qui permirent jadis à l'humanité de repousser les limites imposées par l'évolution pour mieux bâtir des empires et confronter à l'éternel sa condition éphémère. Éphémère. En amont de toute conquête, il y a l'homme. L'homme pluriel et individualiste qui s'abandonne pourtant par génération entière lorsque le bien commun exige des sacrifices. Comment alors, dans les entrailles d'une usine inerte laissée en friche sur l'autel du profit, donner encore du sens à cette abnégation, à ces existences justifiées par le labeur seul, pour honorer la mémoire de ces héros anonymes qui, au fil des siècles, ont bravé crasse et poussière, ont enduré le tonnerre des machines, ne subsiste plus que les squelettes rouillés, les titans post-modernes déchus, tels des mausolées industriels ignorés de tous.